Salut à tous, c'est Gorskull. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des plans qu'on a découverts dans l'épisode précédent pour améliorer notre navigation, voir s'il ne nous manque pas quelque chose. Parce que mine de rien, là, je me suis posé plein de fois la question. Là, j'ai farmé un petit peu, j'ai fait des îles. J'ai encore rien fait puisque je vous ai promis qu'on tournerait ça, bien évidemment, ensemble. On a les moteurs, le volant. Mais rappelle-toi dans le trailer. Dans le trailer, tu as des conduits que tu dois dessiner pour alimenter. Est-ce que c'est vraiment les moteurs là? C'est du truc hydraulique? Le volant, tu le relis comment? Tu le poses? Il y a toutes ces interrogations là. Est-ce que ces deux choses-là vont être suffisantes? Donc, je vous propose tout de suite de préparer le radeau. Moi, j'ai pensé à mettre les roues, une à droite ici, une à gauche là-bas. Et de faire comme une sorte de petite plateforme triangle pour mettre justement le volant, comme ils appellent ça, mais dans le terme de la piraterie, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais on va dire le volant. Alors, c'est certainement la traduction, évidemment. Et tu peux le constater graphiquement. Il y a une petite et légère évolution, mon ami. On a mis la RTX 2070, ma petite gueule. Ça y est, enfin! Enfin, les gars, on a remplacé la 680 GTX. Ok, on s'était pris une petite recette avant, comme tu peux le constater. On s'est refait le sac à dos. J'avais oublié, sérieux, j'ai perdu mon stuff en crevant. Le sac à dos pour récupérer une ligne supplémentaire, hein, les amis. Toujours important dans tes phases d'exploration d'avoir une ligne de stuff possible en plus. Dans ton inventaire, c'est plutôt cool. On va se faire ça en mode de triangle, écoute, hein, on va se faire ça symétrique quand même. On a laissé 3. 1, 2, 3, c'est bon, je t'ai compté. Il y a du matos. Je me rappelle plus qu'il y a des plateformes triangulaires. Oui, monsieur, des fondations triangulaires. On peut faire des trucs stylés. Du coup, voilà, on peut. Ouais. Ça, tu vois, quand ça commence propre, comme ça, on se dit. Ok. Enfin, propre. C'est que le début. Alors, attends, qu'est-ce qu'on se fait? Ah, si, on va se faire ça, ouais. Ouais, tu as raison, tu as raison, tu as raison. Tu as vu tout de suite qu'il fallait mettre une base triangulaire comme ça pour faire plus stylé. Tu l'as vu. Hein. Tu étais en train de m'engueuler. Et bien sûr, écoute, bien sûr. Voilà. Toujours plus joli et plus sympathique. Et il n'y a pas de triangle. Non, c'est que des demi. Hein, donc ça marchera pas. Écoute, on laisse comme ça. C'est plutôt cool, tu vois, pour mettre le volant ici. Ben, on va aller le crafter ensemble, bien sûr. On va regarder les ressources nécessaires. Ouais, là, c'est une grande île. Hein. Je pensais voir un ours et tout. Et au final, j'en ai pas vu. Donc j'ai fait le plein un peu de ressources. Alors, pour le volant. On avait besoin de lingots de métal. Ça, il n'y a pas de souci. Deux charnières et deux boulons. Donc des charnières, il y en a 20. Attends, on va prendre les deux là, ça me libère un stock. Ah bah en fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Tu vois, ayant juste deux charnières, t'as pas besoin de prendre le boulon. Ok, let's go. Mon ami Pierrot, on va mettre ça au bout. Ça fera quand même plus propre, mais ça répondra certainement aussi à notre interrogation. On le relie comment? Comment ça fonctionne? Regarde, tu vois, t'as le tuyau là. Du coup, non. Oui, logiquement, la barre. Oui, la barre, voilà, ben, la barre, voilà le terme de piraterie, mon gars. Mais, ok. Ah, c'est plutôt. Oh, que tu me dis que tu le mets à l'arrière ou à l'avant du bateau. Ok, c'est la barre gouvernail. Ok, mon ami. Maintenir pour pivoter. Ok, d'accord. Pour l'instant, a priori, ça peut fonctionner tout seul. Hein. Là, il n'y a pas de problème. Donc, on va passer sur les moteurs. Donc, on a besoin de cordes. Lingot de métal. Lingot de métal. Ouh. Tu as vu le stock avant, mon ami. Lingot de métal. Ouh, c'est chaud, là. Je me sens en panique. Merde, on pourra en faire qu'un, là, du coup. Aïe, 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 j'ai
pas prévu ce coup-là, attends. Il y a d'autres choses à faire encore, il y a d'autres choses à faire et à bricoler. On fait fondre ça vite fait, ça fond assez vite quand même. Je pourrais au moins en faire un, voir déjà s'il faut qu'il soit alimenté. On avait une autre chose à parler, les amis, quand on a fait l'exploration du dernier épisode. On a chopé la position de Rocky Balboa, mon pote. Rocky Balboa en hashtag 6783, mon pote. On avait chopé, attends, c'est pas fini. On avait chopé la position de Rocky Balboa. On a chopé un hashtag 4000 et quelque chose. Non, 5041, les gars. Et Radio Tower, 5041. On était allé en 2000, hein, rappelle-toi. Non, c'était ici peut-être. 5041. Ah non, il répertorie tout. Donc c'est Balboa Island. Et t'as le hashtag 0880. En fait, tu les as marqués là, tu vois. Mais t'as d'autres trucs ici. Donc on a plein de destinations. Moi, j'aimerais bien faire un tour chez Balboa. Pourquoi tu ne me sélectionnes pas quand je le mets là? J'ai pas lu. C'est chouette, mais je me suis pas pris le temps. J'ai préféré jouer et farmer. Tu vois, comme tu peux le constater, pas assez. Malheureusement. Alors, on va placer quand même des planches pour pas que ça s'étienne au passage. Placer planches aussi pour finir le festin de requin. Ok, lingot de métal, il y en avait 3. On pourra quand même faire un moteur. Il nous restera pas grand chose évidemment pour le suivant. Mais au moins avec un, on va pouvoir se mettre en route. On va choisir une destination. On va voir justement la possibilité de direction. Si le moteur il peut être alimenté comme le but de cette vidéo, évidemment. On va juste faire un tour aux abords. Au flanc de la falaise sous l'eau pour récupérer quelques minerais de métal. Pour justement mettre les deux, que ça soit bien équilibré, un de chaque côté. Je suppose que ça reste quand même le mieux. Après, des minerais comme ça sur le bord. Oh, un pufferfish. J'ai déjà eu quelques-uns de tes congénères avant. Je n'ai pas envie de m'embêter avec toi maintenant, cher ami. Alors, j'ai équipé des palmes, hein, mais pas de... Ah, yes, du cuivre. Ça, c'est plutôt cool. Attention, on peut faire quand même. Pas beaucoup d'oxygène. Ok, bon. Oh, puffer. T'as vu l'ombre? Ouh, parce que lui, il te pète à la gueule, mon pote, ça fait mal. Oh, ils sont deux! Oh, oh, mes amis. J'ai assez de substances visqueuses et de vos têtes d'œuf. Ça ira très bien. Alors, c'était un cuivre. Le cuivre, on en a quand même. Ce qui est important. Oui, je vous parlais de la texture des nouvelles algues. Voilà, tu vois, c'est un peu plus... Ils me suivent jusqu'à la mort, ces cons-là. C'est quand même un peu plus texturé que les anciennes algues qu'on avait auparavant. Non, malheureusement, on avait trouvé du cuivre. Bon, allez, on se le bute vite fait. Oh, oh, non. Là, il est cuit, là. Ah non, copain, j'ai mis 4 coups. Là, t'abuses, hein, sans déconner. Là, t'abuses sérieusement, là. Là, je dis rembourser, mon ami. Hein. Palme. Voilà, regardez-moi ça. Punaise, les gars, comme c'est magnifique, ce jeu. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes contents, vous aussi, de cette mage hein, qui apporte quand même son lot de grosses nouveautés. Hein. Mine de rien, des destinations, le receiver 2.0, au-delà du bateau que tu peux améliorer. Après, je ne sais pas si vous avez ressenti vous aussi sur la navigation avec la voile et tout, le sens du vent avec le drapeau, puis, des fois, tu as l'impression de faire du surplace. Quoi. Tu fais, oh, attends, là, il y a un problème, mon pote. Donc, je pense qu'ils ont peut-être favorisé l'algue bleue pour les recettes, je vous le répète jamais assez. Superbe, un festin de requin, un vrai délice hein, en termes de... Ouais, c'est bon, t'as le droit une fois, allez, une fois je veux bien. Une fois je veux bien. En termes de stats supplémentaires, bah tiens, il y en a un là. J'ai des bols ici, toujours à portée de main. La ligne, hein, évidemment, en plus du sac à dos, tu vois bien qu'il fait plaisir. Voilà, bah justement, on en parlait du festin de requin, on est où? Voilà. Regarde la barre, ça t'augmente bien et le surplus que ça te met, c'est un délice. C'est bouillon de tête aussi, c'est sympa. Algues bleues se font rares quand même.
évidemment. Évidemment, ça changera pas. Il sera toujours là pour nous emmerder au moment où on récolte et on est proche de faire la fabrication. Yes, let's go. Nous avons nos 5 lingots. Corde, on se la fait là. Charnière, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ferraille, ferraille, ok. Charnière. Ok, boys. Non, ça, si je les range, ça va pas le faire. Les algues, je peux les rentrer. On peut mettre les autres. Ils nous en manquera que 3. On peut prendre très bien la route. Hein, on peut, enfin, la route. Hein, tu m'as compris? Non, j'ai fait un volant. Oh putain, quel con. Alors là, je suis vraiment un gros abruti. Là, je suis vraiment un gros abruti. Là, t'as le droit de m'insulter. Aïe! Alors là, t'as le droit de m'insulter. Oui, un big fail en live. Génial. Ouch. J'ai besoin de. De lingots de métal. Merde. Putain, à vouloir aller trop vite. On va en faire deux, il nous en manquerait juste un. Bon, il nous faut du cuivre pour le circuit imprimé. Je reviens avec tout ça, bien évidemment, les amis. Bon, ça m'aura pris 30 minutes quand même. Mais j'ai réussi à trouver une grande île là. Et il y avait sur toutes les falaises là, pas mal de minerais de métal et de cuivre. J'ai profité pour mettre une petite rallonge là ici pour la barre, le volant. Alors j'ai pu la tester. Quand t'arrives, effectivement, ça tourne super bien. Et j'ai mis un escalier ici. Comme ça, impeccable, mon vieux. Ça, c'est la grande classe. Alors, on a de quoi faire, hein, tu peux voir là, ça cuit encore. Mais on a déjà de quoi faire un moteur et non pas un volant. Oui, il doit être à l'oiseau qui me casse les couilles en haut avec ses pierres. Mais c'est pas grave, on s'en sort très bien quand même. Allons-y, les amis. Permet d'aller dans plusieurs directions et augmente la vitesse. Moteur, je vérifie bien une seconde fois. Oui, c'est bien un moteur. Voyons voir. What the fuck, man? Ouh. On va créer une extension sur le côté, je crois, les amis. Ok, on va créer une extension. Ça sera pas plus mal. Ça m'a l'air big ce truc. Alors fais voir la tronche que ça a. Ah, tu vois, regarde, il faudra l'alimenter, hein. Il y a des trucs, ça risque de pas fonctionner tout de suite, évidemment. Allez, on va se créer un petit rajout de plateforme ici, ici. Prends deux cases ou trois? Trois cases, j'ai l'impression. Plutôt là, non, il y a l'escalier ici. Salopard. Est-ce que ça le fait si on le met comme ça? Ouais, ça le fait très bien. Ça laisse la place. Un supplémentaire? Je ne sais pas, les amis. Faudra renforcer aussi la plateforme. Ouais, je pense que 1, ça suffit. Ah, il va me casser les couilles, lui. Hein, putain. Ah, l'envoi. Tuyau. Changer de direction. Ok, bah écoute, on va faire le deuxième. Circuit imprimé G. Il faut 5 lingots de métal. Bah, il n'y en a plus que 2 à faire fondre. C'est bien ce qui me semblait, les amis. Hein. On va se retrouver un peu coincé. J'avais trouvé dans une caisse un biocarburant. Peut servir de carburant pour certaines machines. Alors, est-ce qu'il va nous manquer les conduits? Non. Place et planche. Donc, tu peux peut-être effectivement l'alimenter en mode activer la machine. Il y a différentes options. On va le découvrir. Hein. C'est justement le but de cette vidéo, bien sûr. Mais ça a de la gueule, les loustiques, hein. Bah, c'est vrai que le paquebot il fait grand là maintenant. Putain, dès qu'il y a le requin qui becte d'un côté. Casse-burne, hein, cet aigle à la con, sans déconner. On replace des planches. Heureusement, on avait mis un petit stock qui traînait. Donc 3-5, on va être bon. Bah, c'est tout ce qui nous manque, hein, pour mettre le deuxième. On va tout de suite, le temps que ça se termine, mettre la plateforme à l'identique en face, bien évidemment, monsieur. Alors je me cale sous la plateforme si l'autre burne il débarque. Yes, tu en as. Je dis non, monsieur. Ça a de la gueule, hein. Punaise, les mecs là. Regarde-moi cet enfoiré, regarde-les là-bas. Regarde-les, il est content.
Tiens, fumier, va. Bon, c'est une flèche gaspillée, mais je voulais lui en mettre une quand même avant de partir. Bon, allez. Trêve de plaisanterie, les gars. Let's go. Moteur et non pas volant, les amis. Attention. Tac. Moteur. Attends, attends. J'ai entendu un bruit suspect là. Voilà, merci. Est-ce que je l'ai mis dans le bon sens au fait tout à l'heure? Ouais, ça me paraît correct, hein. Il y a tout. Ouais, là, bah oui, la route de ce côté-là, on peut pas. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est de dégager d'ici parce que le coreback, il me casse vraiment les noix. Voilà, là-bas, regarde. Bam! Un petit coup forcing à gauche. Là, c'est le demi-tour, mon pote. Impeccable. Hein. Tout ce qu'il nous fallait. Après, là, j'ai la voile de là au-dessus. Ah, mais franchement, t'es vraiment un casse-pied de ouf, hein, putain. On va dégager la voile là-bas pour mettre un coup de boost. Allez. Salut, Aiglon. Tout de suite, hein, t'as vu? Bim. Bon, faudrait un peu. Faudrait un petit peu devant, monsieur. Ah, j'ai touché le bord en plus, là. Ça me dire, t'es coincé, là. Oui, tu es coincé, super. T'es coincé où, là? T'es coincé où? T'es coincé là, ici. Non, t'es pas sérieux là. T'es pas sérieux. Mais non. Ah, l'autre, je l'entends, là, il ramasse son caillou de merde. C'est bon. Là, je vais faire ça, il y a le requin qui va venir me becter. Bon, allez, allons faire dodo. Il est l'heure. Pouvoir enfin découvrir, les amis, ce qui se cache derrière ce nouveau système de navigation 2.0. On a vu planche. Attends, parce que je suis encore là, les gars. Oh! Je me. Attends, 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 attends. S'il vous plaît, monsieur, messieurs, dames, allez, par là-bas tout droit, me casse pas les machins. Mec, t'es pris nulle part là. Donc, mets le turbo, s'il te plaît. Bon, bah écoute, puisqu'il veut pas, on va le forcer. Alors, on a vu planche. Placer planche, qu'est-ce qu'on a vu encore? Allumer les machines, ouais, exact. Bon, on va déjà commencer par allumer, activer. Évidemment, pas de carburant, bien sûr. Changer de direction. Ouh, oui, pour marche arrière et tout. Ouh, faire des super créneaux. Mais écoute, hein, on place planche. 17. Il me semble que j'étais à fond. Ah, putain, mais il est encore là. Mais barre-toi de cette île, bordel de bordel, sans déconner. Il veut pas, il reste planté dedans, ce con. Attends, parce que là, je suis en train de perdre patience. Je vais tout démolir, là. Là, j'ai plus de patience, là. Là, j'en ai plus, là. Là, j'en ai plus. J'en ai vraiment plus. Espèce de... Putain, je suis obligé de prendre une pagaie alors que j'ai un système putain tout neuf, merde. Bon, calmons-nous. Dis-moi que tu décolles de cette merde, hein. Oh putain, l'autre il me tire dessus, l'autre il vient de me becter, je suis en train de péter un gros boulon. Ma voile, elle est où? Je vais la retirer. Parce que c'est de la grosse merde, tu mets une direction. Tu ne sers plus à rien. Allez, pagaie. S'il te plaît. Avance. Est-ce que j'ai enlevé l'encre au moins? Oui. Putain, j'ai cru que je l'ai pas enlevé. Oh putain, mais quel connard, hein, cet oiseau. Je vais me le faire, hein, les gars. Bon, allez, on va partir là. Oui, comme ça le requin il va me becter. L'autre con il va me tirer une caillasse d'en haut. Lui, c'est vraiment le. Le. Partons. Eh, je suis désolé là pour le.
Putain, il va encore réussir à me tuer, ce trou du cul. Ok, par là et... et ici, voilà. Go. Bon alors, on a vu qu'on a mis des planches. Certes, c'est déjà pas mal. Il faut peut-être... enfin, peut-être, c'est même sûr, il faut l'allumer. Bon, tu fais quelque chose, tu te barres et il reste bloqué sur cette putain de falaise de con. Allez, il y a des vagues, il y a du vent. Barre-toi, si je prends un choc, je suis grillé. J'ai pas envie de mourir bêtement. On enregistre le monde parce que lui, il est toujours là. Je reste bloqué sur la falaise, incompréhensible. J'ai mis la voile dans des directions complètement dingues. Il veut pas. Ah, peut-être mettre ma barre tout droit, là, du coup. C'est vrai que je vois pas ma voile de ce côté-là. Ah! On décolle enfin, j'ai l'impression. Bon, ok. Placer planche. Activer la... Bah, attends, on va voir si en activant la machine... Ok, super. On va gaver l'autre machine en stock de planches. Alors là, on a bien 20 planches, là 19. Je vais enlever le stock de 19, évidemment. On part sur 20 planches, j'en ai d'autres nulle part. Non, ok, c'est ça. Ah, ça y est, on commence. Placer planche. 17, les amis. Donc, c'est bien ça. Activer la machine. Activer la machine. Non. Changer de direction. Je vais aller devant, mon gars. Ah ouais, si j'en ai un... Ouais, d'accord, merci, monsieur, merci. Si j'en ai un devant, l'autre derrière, ça va pas le faire, Gorskull. Voyons voir. Bah, tout simplement... Les machines en fonction. Ouais. C'est un peu rouillé là. Bon. On décolle quand même en fin de la falaise. Attends. On va éviter de... Enfin, pas tricher. C'est pas tricher. On va enlever le... En termes de vivacité... Pas très furieux, hein. Bon, après n'oublions pas, on a chopé du carburant, il y a des tuyaux, à mon avis on a la recette à trouver quelque part pour justement faire tout un système de tuyauterie avec un générateur qui lui sera alimenté. Je ne sais pas, il y a encore des choses à découvrir, mais c'était à savoir. Bon, c'est pas violent, hein. La barre, elle est en direction droit devant, dans la même direction d'où les moteurs, ben, tournent. Hein. On va se prendre un peu de hauteur. On va regarder. Après, le sens du vent aussi. Il faudrait quand même voir. Mon drapeau là en bas. Ouais, c'est pour vous, c'est de l'autre côté. Comme ça, voilà. C'est dans cette direction-là, le sens du vent. On part de la falaise. C'est pas furieux, hein. Ouh, cassage de jambes. Prenons voir le carburant, voir. Ça m'étonnerait qu'il puisse s'enfiler dedans. Je pense plutôt à un générateur et des tuyaux, des trucs de connexion. Donc évidemment, la salle des machines. Elle va se retrouver ici, hein, les purificateurs, le barbecue. Là, la salle des machines ici, ça sera le top. Les tuyaux qui vont sortir par en dessous. Enfin, un truc de ouf. Quoi. Changer de direction. Désactiver la machine. Ouais, je pense que c'est le modèle économique de base. Après, dans ce qu'on a là actuellement pour le bateau, à part le moteur qu'on a débloqué, le volant, encre jetable, oui, nous n'avons rien d'autre. Le carburant qui se trouve lui-même tout seul dans une caisse. Hein. Donc le petit baril, la biocarburant peut servir de carburant pour certaines machines. Donc il va falloir, les amis, explorer Rocky Balboa et toutes les autres directions qu'on a pu voir. Bon, après, si j'ai loupé quelque chose, il faut me le dire. Dans les commentaires, n'hésitez pas. Moi, je pense que... ça avance pas très vite. On va s'appuyer avec la voile quand même pour profiter encore du vent. Mais ça donnera lieu justement à un prochain épisode.
Et on va regarder tout de suite ensemble qui débarquera cette semaine, les amis. Vous inquiétez pas, Balboa Island. On l'avait pas fait 67-83, je crois. Je regarde, laisse-moi voir. On va direction de Balboa Island. Je regarderai quand même mon épisode précédent. On va se noter 67-83. On va quand même vérifier sur mon épisode précédent que ce n'est pas cette direction-là que j'ai déjà pris. Mais si c'est le cas-là, vous inquiétez pas. Pour le prochain épisode, on ira évidemment ailleurs. Donc, Rocky Balboa, 1810 mètres, direction tout à fait opposée. Voyons voir maintenant. Ça serait comme ça, on va le laisser comme ça. Un demi-tour. Le fils de pute. Le fils de pute. Le requin, il m'a croqué ce bâtard à la plateforme où il y avait mon truc. Non, mais là, c'est quoi cette partie là? Self, zen. Putain, j'ai envie de tout péter! Deux clous, en plus, j'en ai plus. Putain, bon, ça va, c'est du. Putain, j'ai envie de tout arracher là. T'as vu ce qui s'est passé là? Incroyable. Et ben justement, comme ça, je vous tiens encore 2 petites minutes et bien évidemment une plateforme, les amis, renforcée ne sera pas de trop pour pallier au croquage du requin qui va bien évidemment vous croquer la plateforme où vous avez votre volant. Si tu fais pas gaffe, et ben tu lui dis comme Gorskull. Fait 2 clous, j'ai fait 2 clous là, tu te fous de ma gueule? Ils sont où là? Merde. Il faut un lingot. Ah oui, maintenant j'ai soif. Je suis au ralenti. Il y a un épisode tout à fait, bien évidemment, et délirant comme on les aime. J'ai de l'eau dans le purificateur, on l'a vu après. Mec, arrête de faire des manières là. T'as de l'eau en continu. T'as de l'eau en continu depuis le début de ton aventure. Faudrait d'abord que je mette le calendrier et voir combienième jour je suis sur cette partie. Bah évidemment, on a mis des planches, mais changer de direction, désactiver la machine. Parce que là, on va où réellement? Oui, on va tout droit, le machin aussi. Bon, on va récupérer. Allez, je voulais pas faire un épisode. Ah, un petit îlot là-bas. Ou alors c'est l'île encore de tout à l'heure. Ok, super. Qu'est-ce qu'il fallait? Oui, plateforme renforcée, les amis, hein, qui permet, qui évite surtout. Vous avez rien vu, vous avez rien vu, vous avez rien vu, vous avez rien vu. Incroyable. La puissance de l'impatience, voilà, je cherchais le mot. Oh, on a quand même de quoi manger. C'est plutôt nice. Allez, regarde-moi ce chien comme il est. Normalement, il crève là. Ah, ne t'en va pas. Ah, ça, c'est la merde, ça. Au revoir. Non, je prends pas de risque. Après le radeau, il va encore se barrer sans moi. On connaît la musique, les amis. Au revoir, petit requin. Tiens, mais j'avais un deuxième volant. Et tu vois qu'il a servi à quelque chose, hein? Merde. Bon, plateforme renforcée. Le mieux, c'est de renforcer les trois là aussi, hein, les gars. Faut pas déconner. Comme ça, au moins, si la base est grignotée, t'as. Parce que là, si bon. Quoique, s'il dévore celle-là, est-ce que ça attachait avec ces deux trucs-là? On va le faire évidemment hors vidéo. Quoi qu'il en soit, effectivement, il y a un système de moteur hein, qu'il faudra alimenter par ici. On faisait quelque chose en fait, et du coup, avec lui, on n'a pas réussi. Si, on a mis la direction, du coup, comme je suis un abruti, j'ai laissé bien sûr la radio allumée et batterie à plat. Mais oui, évidemment.
Évidemment. En tout cas, on a vu la direction, c'était 1800 mètres. Oui, je voulais vous montrer le demi-tour, même si on n'a plus la direction. Regarde ça, mon ami. Hop! Regarde ça. Comparé à la pagaie, on est plutôt bien. Et en avant, Moussaillon. Donc voilà. Bah, écoutez, les gars, hein, c'était l'épisode assez mouvementé, je devrais dire. Mais on a encore du taf, hein, donc on va aller visiter la maison de Rocky Balboa, en espérant que ce n'est pas une des zones, mais je vais quand même vérifier. Les machines fonctionnent comme ça d'elles-mêmes, mais effectivement, une alimentation vient, un générateur, un système de tuyauterie, recette peut-être à trouver et à voir un petit peu comment ça tourne. On a vu que c'était jouable, mais bon, pas transcendant non plus. Toujours un petit coup de main avec la voile, ça fait du bien. Après, on a vu la jauge, elle ne bouge pas. Donc, effectivement, il faudra et des planches et, à mon avis, un générateur, un système de tuyauterie et tout ça. Si je l'ai oublié et que c'était sur le bateau parce que je suis allé trop vite dans l'épisode précédent et que j'ai loupé un plan parce qu'il y a une pièce que j'ai pas faite, merci aussi de me le dire dans les commentaires. Ça serait cool. Mais effectivement, ça tourne, mais sans tourner, quoi. Hein, faut pas se le cacher. La barre, en tout cas, en revanche, elle est plutôt cool. N'hésitez pas et oubliez pas, renforcez quand même un petit peu tout ça. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode, tout simplement. Ciao!